Dani, où est-ce qu'on va là? On va aller à un petit magasin pour voir s'ils vendent des couches réutilisables pour le bébé. Pourquoi? Parce que un, c'est mieux pour l'environnement et que j'essaie d'avoir une vie où on prend plus conscience de ça. Et deux, parce que ça nous permet aussi d'économiser. Et voilà, je pense que non seulement c'est très polluant d'avoir des couches tous les jours, on a fait ça pendant avec tous nos enfants. Hein. J'ai voulu avoir des couches réutilisables pour tous nos enfants, j'ai jamais eu. Donc ici, j'ai envie de chercher pour bébé. Ouais. Et voilà, mes deux raisons principales. Combien est-ce que tu peux économiser alors si tu utilises des couches réutilisables? Alors, par exemple, on avait calculé avec Hayari et... Avec moi, quoi? 15 $ la semaine, 15 fois 52. 15 fois 52. 52 déjà, semaines dans l'année. Voilà, quoi, plus, à peu près 1 000 $ par année. Ça fait 780 $. 780 $ par année, ça fait 50 000 francs par année que tu économises. C'est énorme. Et combien est-ce que ça coûte une couche? Réutilisable, je sais. Là où on va, je sais pas, mais normalement ça coûte. Il y a un paquet de 30 $ pour 3-4 couches, j'avais vu 9. Et ensuite, à peu près 10 $ le paquet de plusieurs langes. Et combien ça. Une couche, combien est-ce qu'elle peut durer? Ben, elle dure. C'est du tissu. C'est à vie? Ben oui. Ça dure des années. Donc en fait, le but c'est d'en acheter, je crois, 7 maintenant et qui va garder jusqu'à ce qu'il ait, aux toilettes et qu'ils arrêtent. Voilà, donc on en aura 7 pendant 2 ans quoi. Ça demande plus de travail parce qu'il va falloir tout nettoyer à la main, etc., etc. Mais sur le long terme, je pense que c'est mieux pour l'environnement et c'est mieux pour notre portefeuille. Ok, merci. Coucou, je suis dans la voiture avec Hererani. Ça va mon bébé? Alors juste pour vous partager quelque chose, en fait, il y a ces derniers temps avec ma femme, on a commencé à vlogger tous les jours et à poster tous les jours sur YouTube. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit, qui m'a fait comprendre une chose, c'est que vlogger, en fait, ça fait partie en quelque sorte, hein, de l'histoire familiale. Et en fait, peu importe s'il y a des gens qui regardent ou pas, mais ça sera toujours un souvenir pour nous de voir en fait l'histoire de notre famille, de voir qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est allé, et ces moments précieux là qu'on passe ensemble mais qui sont sauvegardés. Je suis vraiment content, je suis vraiment reconnaissant pour la technologie que nous avons qui nous permet de capturer chaque moment que nous vivons tous les jours et de pouvoir les partager avec les membres de notre famille ou avec les personnes qui veulent bien nous suivre. Donc voilà, c'était juste pour vous partager ça. Bye bye. Alors là, Hayari va aller ramener nos cartes de membres parce qu'on avait commencé à aller à la gym quand bébé avait 3 mois, donc à 5 mois, peut-être 6 mois. Et c'était bien, mais on a décidé d'arrêter d'aller à la gym. Donc on a décidé de ne plus aller à la gym, donc c'est ce qu'on va aller faire ramener ces cartes-là. Mission accomplie. On retourne à la voiture. Alors on est allé au petit magasin auquel on devait aller. Et il y a des couches réutilisables, mais je vois qu'elles sont beaucoup trop petites pour bébé. Donc on va aller à un autre magasin qui est Baby Factory. Et là-bas ils vendent des couches réutilisables pour 10 $ la couche. Donc c'est là où on va aller. On va aller voir. On va sûrement en prendre 2 et le reste, je vais commander. C'est sûrement moi, chez d'achat en ligne. Mais c'est juste que là, maintenant, tout de suite, on a besoin de quelques-unes. Et ensuite, on va commander le reste qui va arriver plus tard. C'est pas un souci. C'est à quel endroit alors? Donc, le budget qu'on aurait dû mettre pour les couches de bébé aujourd'hui, parce qu'on devait acheter des couches, on va mettre dans ces couches-là. Baby Factory, c'est à Botany, au mall. D'ailleurs, ça a carrément agrandi ce mall, t'as vu? Ben là, tu vas voir. Thank you.
Il est fatigué, il est fou, il veut sa maman. Il y a Ahouré qui est derrière. Il dort, il est fatigué. Mais ce petit-là, il n'est pas fatigué. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Mon bébé? Qu'est-ce que tu veux dire? Hé, hey, oh! Voilà, on quitte le mall de Botany. C'est l'heure de manger des titi. Allez. C'est l'heure de faire dodo. C'est l'heure de faire dodo. On cherche un parking. Voilà ce que j'ai pris. Une couche comme ça. Donc en fait, elle s'enlève comme ça, les couches. Et c'est ajustable. Donc je crois que ça va lui rentrer puisque c'est bon pour tout détail. Et à l'intérieur, je vous montre, vous avez deux trucs comme ça. Ok? Parce qu'en fait, c'est ça qu'il va falloir laver. Maintenant, parce que je suis nouvelle dans ça, j'ai pris ça comme des lingettes. C'est biodégradable et vous pouvez mettre dans les toilettes en fait. C'est possible de jeter dans les toilettes. Alors, je vais prendre. Il faut prendre une lingette, poser dessus. Donc, mettez un seul à la fois. Comme ça, tout le liquide traverse, mais les solides vont rester sur la lingette. Et donc vous allez pouvoir prendre la lingette et jeter dans les toilettes. Donc et en fait ça sera plus facile à laver puisqu'il n'y aura que du liquide à l'intérieur. J'en ai pris deux et ça. Donc c'est ça en fait qu'il faut changer et nettoyer. Et la couche n'a pas besoin de nettoyer aussi régulièrement, oh, elle est imperméable. Mais bon voilà, nouvelle aventure pour ce bébé. Et en plus c'est beaucoup mieux pour la peau si votre bébé a des problèmes de peau comme celui-ci a. Bon, il a pas les fesses rouges ou quoi que ce soit, mais bon, il est fragile de la peau. Donc, j'ai hâte d'essayer ça. Ah, ça. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Ok les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos, Dani, qu'est-ce qu'il faut dire déjà? Salut les amis, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez surtout pas à nous mettre un pouce vers le haut et à mettre des commentaires et à vous inscrire à la chaîne. D'ici là, bye bye.